Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est à Coconi. Coconi, je voulais vous montrer ce très beau parking qu'il y a ici. Ici, on a le panneau de Coconi. Vous voyez bien. Je voulais parler de ce parking-là. Alors, ce parking, je suis venu en janvier. C'était en cours de construction. Il y avait plein de manœuvres ici. Je crois qu'ils ont fait deux mois ou trois mois là-dessus. Après, le travaux s'est mis en arrêt. On ne sait pas pourquoi. Hein. C'était ça ce que j'étais en train de dire à Mayotte, qu'il y a plein de projets qui se font. Et après, au final, ça s'arrête au milieu. Ça s'arrête deux, trois mois. Là, ça fait déjà quatre mois que ce projet-là est en arrêt. Je ne sais pas ce qu'ils font dessus. Mais je vois pas de mouvement, je vois pas de finition. Ça a été fait récemment là, parce qu'il y avait que du gravier comme ça. Ça a été fait peut-être la semaine dernière ou il y a quelques jours, je sais pas. Le projet a du mal à avancer. Je sais pas quel problème, si c'est la finance qui met en arrêt. Tout ça, ou je sais pas, en fait je sais pas, mais en tout cas c'était un très beau parking en construction jusqu'à ce que il y ait cette interruption ici. J'espère que ça va continuer. Ça a l'air d'être un très beau parking, hein, mais pour l'instant c'est pas fini. Vous voyez, il reste beaucoup de travaux encore à faire. Je sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça va ressembler à quelque chose ou ça va rester comme ça. Voilà, c'est pas abouti, hein. c'est pas fini encore. Il y a beaucoup de travaux encore. Je sais pas si cette histoire-là, ça va durer un an ou deux ans. Je sais pas. Moi, je voulais tout simplement vous montrer, voilà, quels sont les projets qu'il y a à Mayotte et puis qui avancent petit à petit. C'est important de les savoir ici à Coconi. Qu'on a ce parking qui est en construction, un très beau parking, un très grand parking aussi. Voilà, j'espère que ça va continuer, que le projet ne va pas rester deux ans, trois ans à stagner comme ça, petit à petit on vient bidouiller et puis on arrête. Voilà, c'est assez dommage, c'est assez triste.